Ce tableau fait partie d'une série que j'ai appelée « Enfant éperdu ». Et suite à un accident qui est arrivé dans mon atelier, la plupart des pièces qui étaient en travaux ont été détruites ou fortement abîmées. J'étais désespéré, je ne savais pas comment réagir. Et un soir, je me suis décidé à aller jeter les pièces dans la rue, sur des tas d'ordures, des encombrants qu'avaient laissés les gens. Mais ce geste a été salvateur, parce qu'il m'a donné courage et envie de me remettre à peindre. Jean-Claude, c'est un SDF, je l'ai rencontré dans la rue. C'est le portrait de ce jeune homme qui m'a impressionné par son intelligence, par ses capacités à vouloir continuer à vivre, à exister. C'était extraordinaire. Je lui ai demandé la permission de faire un portrait de lui. Il a fallu l'apprivoiser parce que voilà, il avait pris trop de recul sur la vie et donc il ne pouvait plus accepter les autres humains qui ne le regardaient pas ou qui avaient un comportement négatif envers lui. Jean-Claude, lorsque je t'ai vu la première fois, tu étais statufié dans la rue. La perte matérielle isole, annule, dissout jusqu'à la mémoire, jusqu'à anéantir celles et ceux qu'elle atteint. Cette figure de la dépossession montrait, grâce à ton regard, une dignité de l'être. Cette beauté m'inspire. Pour Marc, ce que je voulais montrer, c'était des symboliques empreintes d'allégories, comme ce ciel bleu qui appartient à tout le monde. Levons les yeux et voilà, on peut changer de sens, de pensée. C'est ça qu'il faut faire. Le corps, notre corps aussi, lorsqu'il est abandonné comme celui-là, eh bien c'est le dernier élément qui peut rester à l'humain de digne, et j'ai voulu que ce corps soit beau, dans un mouvement de retenue, comme pudique. Marc, c'est un être qui ne possède plus rien d'autre que son corps. Il lui appartient de le ressourcer. Ton portrait trouble parce qu'il mêle une représentation objective. Cette peinture se situe entre une transcription du réel, charnel, et une figuration allégorique. Ainsi, tu n'es plus le mendiant, mais tu incarnes le philosophe. Agnès est cette femme que j'ai rencontrée sur un chantier de réinsertion. Elle faisait partie d'un collectif de 12 personnes. Elle était la seule femme. Elle ne m'a pas dit qu'elle voulait être photographiée ou que je pouvais la photographier. Elle s'est laissée photographier. Et donc, presque inconsciemment, sans doute, quand j'ai voulu peindre ce personnage, il s'est trouvé que je l'avais surdimensionné. C'était peut-être pour lui donner plus d'importance, d'assurance aussi, et de dignité qu'elle m'avait offert finalement par son refus d'accepter de me regarder et de se protéger toujours. Et j'avais trouvé ça très beau, très digne. Agnès, la peinture est une interprétation. Comme toi, je suis né à Laon, où j'ai grandi comme les frères Lenain, tous trois peintres qui ont vécu dans cette ville médiévale traversant le temps. Ton visage est le portrait de la femme au repas de paysan, tout en retenue, suspendue à la vie. Cet aspect humain, plutôt que pittoresque, me touche. Avec cette série de peintures bifaces, il est question de dessiner la dignité, la sensibilité, de peindre l'aspiration à être heureux, représenter la dualité, refléter dans sa chute comme sa régénération possible, constitue une quête qui se voudrait fresque en mouvement. Pour ma part, en rencontrant au hasard dans la rue une personne sans domicile fixe, j'ai abordé un thème sensible où la figure de la pauvreté devait être brossée avec réalisme.
peinture n'est pas une image, c'est une exploration de soi. Les œuvres s'adaptent à chaque époque qui la traverse. Elles se renouvellent de siècle en siècle. Pour pratiquer cette peinture, je puise mes sources en mon fort intérieur. Chaque modèle est une présence intime. Le sujet ici prend une apparence sur le blanc. Il se détache. La personne est rencontrée dans la vie. Mais ce que j'interroge, c'est la place du peintre face à son sujet. Ma responsabilité est considérable. Cette démarche a commencé il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, chacun en regardant cette série de tableaux, construira une relation pour lui. La mise en mouvement, le déplacement se fait sous la forme d'un recto verso, partant d'un état de fait, conduit à suggérer des causes, voire des remèdes. Si je ne me trompe pas, c'est la peinture qui parle. Tous les portraits sont composés par assemblage de formes. Eux-mêmes ponctués de symboles, semés en un rythme toujours prêt à se mouvoir pour donner du sens ou à nous échapper. La dualité de l'être humain, sa chute comme sa régénération possible, constitue l'essentiel d'une quête. Elle se voudrait fresque en mouvement. Le recto et le verso invitent à se déplacer autour du tableau.